debout là-dedans. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère? Hé, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon? Qui l'a payée? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris? Sale chien. L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre faute. Où est mon frère? Pas loin. Baisse la voix, tu veux? C'est chiant, prime à fronde. T'en as pas besoin. Y'a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi? Comment? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. Au train. Alors, c'est ton frère? Ouais. C'est quoi ce bruit? On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. Hugo est seul avec ce criminel. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur, sois patiente. C'est une ruse des Valois. On doit se frayer un chemin. Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure ou contagion. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Et c'est que le début. Y a pas de place pour une guerre là-dedans. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. Qu'est-ce que c'est? Ouais, rien du tout. Des empoisonneurs! Attrapez-les! Fais attention. Quoi? Reste baissé, d'accord? C'était quoi? Rien. Bon, tant mieux. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. On va faire un tour là-dehors, tu verras que la Guyenne appartient à des putains de rats. On les repousse à peine. On y va, à gauche. Pas d'idiotie, on a besoin de toi vivant. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée? Les enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Robert de Rune. C'est rien. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Allez donc questionner la sœur. Elle doit être réveillée. Oh non! T'inquiète! C'était couru d'avance.
Et ça... pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Je rentabilise ton sauvetage. Voilà ce que je fais. Et ce coffre alors? J'ai vu. De la poudre. Sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. Trop nombreux. On va manquer de pain et de vin. Chaque victoire, c'est pas... Oh, mais t'es folle. Ben quoi? Tu es des réserves. C'est passé, non? De justesse. Hey, petit! C'est mon frère. Pour ta libération. On dirait, oui. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Hé, hey, Amicia. Où elle est? Oh, les chiens, les salopards! Je crois qu'on va la garder avec nous, pas vrai, les gars? Non, non, s'il vous plaît! Réjouis-toi d'être encore vivant! La fille! C'est une chose rare, c'est... Hein? Quoi, la fille? Mais allez, parle! La fille s'est échappée! Sa cage est ouverte! Tout le monde la cherche! Merde! Dispersez-vous! Surveillez les portes! Et restez sur vos gardes! Une cage s'ouvre pas comme ça! C'est peut-être un coup des Valois! Profitons-en! Les tentes! Fouillez-moi ces tentes! Hugo, je suis là! Amicia! Ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir! Faut descendre cette cage! Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Je veux des hommes du côté du rempart est! À toi, Mélie. Putain, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Heureusement qu'ils sont occupés. Mélie, la serrure. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia! Oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois? Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse! Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. C'est pas vrai! Hein, Mélie? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Au rapport. Toujours rien. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie du camp? Répartissez-vous, séparez-vous. Et faites attention aux tentes. Des hommes du côté du rempart est. Ce bruit, c'était quoi? Putain, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Je vois rien! C'est juste une gamine! Bougez-vous! Elle va pas sortir comme ça! Hein?
précédente. Aucune trace. Peut-être qu'elle est toujours près des cages. Mais c'est quoi? Allons voir ça. Un peu trop par là-bas. Vite, ici, on a besoin d'un coup de main. Je paye une rançon pour les enfants de Rune et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly, fuyez! Garde devant! Élimine-les, Amicia! Isa! Hey, l'Inquisition! Qu'est-ce que vous avez fait? Rien! On n'a rien fait! Il va tirer! En avant. On a une sortie! Ramène-toi! Ne ralentis pas, Hugo! Suis Melly! Amicia, je ne pas le prendre. Arrête de courir. Vite, Amicia. Livre-nous, Hugo. Oui, j'arrive. Ils vont entrer. Il n'y a pas beaucoup de temps. Par là, vite. C'est fermé. C'est bon, on y va. Vite! Par ici!